Quand ma mère allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Bien. Je restais assis au fond, bien sage, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Bien. Un beau matin, oh, mon beau Galamar. Ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire. Tandis que mon père... Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit. Qui t'a dit qu'on t'avait puni? C'est écrit là. Voyons, voyons, mais... Tu sais lire? Oui. Voyons, voyons, mais... La-ma-ma-a-pu-ni. Son petit garçon qui n'était pas sage. Ça veut dire que tu m'aimes bien. Tu n'as pas mal à la tête? Non. Quand a-t-il lu pour la dernière fois? Hier matin, le couvercle d'une boîte de savon. Et depuis, rien? Eh non, votre sœur ne veut plus. C'est pour son bien. Vous allez lui faire exploser la cervelle. Maman, je suis malade. Mais non. Reprends, donne de la tarte. Une explosion cérébrale, c'est ridicule, voyons. Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laisse-le encore un peu faire l'enfant. Où tu vas? À l'école. À l'école, moi aussi. Mais tu n'as pas encore l'âge. Et puis tu sais bien que ça te fait mal à la tête. Non, ça me fait pas mal à la tête. Oh, non. File ta billet. Et n'oublie pas ta toilette. C'est fait. Oh, le menteur. Montre voir tes mains. Je les ai oubliées dans ma chambre. Si tu me les ramènes, je veux qu'elles soient toutes propres et toutes blanches, hein? Sinon, ils n'iront pas promener avec tante Rose. Et pareil pour les pieds! Pour 8 personnes, prenez 2 kilos de poisson. Rascasse, Chapon, Rouget, Vive, Saint-Pierre, Cangre, Merlin. Réunir l'oignon et le poireau, finement ciselés, dans une casserole pouvant aller en plein feu. Avec 2 cuillerées à potage, huile d'olive. Chauffez doucement en